Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Mes salutations dépendent de votre position géographique, où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Très heureux de vous retrouver sur toutes les plateformes de l'ouverture média. Nous vous rappelons que cette émission est spécialement dédiée au peuple malien et au peuple à l'extérieur. Il est important de vous signaler que ces émissions se passent tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h. Et le côté visuel est assuré par un technicien de marque supérieure, Prince Tony. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Affaires politiques. Oui, une émission 100% en français, une émission inédite, une émission sans filtre et surtout sans réserve. Aujourd'hui, nous recevons un homme de taille exceptionnelle, un journaliste de taille hors pair. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de la société. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Simpara, c'est à moi de vous remercier. Quelques mots à l'endroit de nos chers abonnés. Alors, cher public, bonsoir, où que vous soyez. Merci d'avoir choisi Ouverture Média pour vous informer. Je me réjouis de cette invitation. C'est mon deuxième passage sur votre plateau. Voilà, donc cette fois-ci, je suis Moussa Konaté, journaliste de formation, de profession. J'exerce ce métier bientôt 10 ans. Je travaille dans un groupe Média Énergie, Énergie Télé, Radio et le Digital. La rédaction de la radio et le digital m'a été confiée et j'ai aussi une web télévision qui s'appelle Kourkan News. Voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est Merci. normal aussi, vu la qualité de tes communications. Il est important de se faire entourer par des hommes si riches du point de vue communicationnel, mais aussi dans le cadre journalistique. Il est important. Merci encore une fois de plus de nous avoir honorés par votre présence. Je vous en prie, monsieur Sympa. Alors, place au sujet de notre débat de ce soir. Nous avons entendu pendant quelque temps les fuites des vocaux et nous voulons savoir de plus. Éclairez votre lanterne pour que vous compreniez réellement quels sont les tenants et les aboutissants de cette fuite. Pour quelles raisons ces vidéos, ces audios sont en fuite? Est-ce que réellement ces enregistrements sont authentiques, partagés, commentés et avec ce journaliste de taille hors norme, vous allez comprendre beaucoup de choses. Monsieur Konati, Oui, monsieur Simbra. quelle lecture faites-vous par rapport à la fuite de ces enregistrements vocaux? Précisément le cas du gouverneur de Kidal. Et justement, avant de parler du cas du gouverneur de Kidal, il faudrait parler d'abord de Kidal. Et nous savons que Kidal échappait au contrôle de nos autorités depuis 2012. L'État était absent sur toutes les dimensions voilà, régaliennes, les missions régaliennes de l'État, que ça soit l'éducation, la santé, les services sociaux de base, et sur le plan sécuritaire aussi, que ça soit au niveau de la défense et la sécurité intérieure. Nous avons vu que l'État était longtemps absent, même si à un moment donné, nous avons vu, par exemple en 2014, le retour aussi de nos préfets et gouverneurs qui ont été par la suite aussi assassinés juste après la visite de Moussa Mara. Et par la suite, nous avons vu que l'arrivée des colonels au pouvoir, ils ont essayé de ressusciter l'ex en demandant voilà à ces groupes armés voilà de venir vers la table des négociations et d'intégrer aussi les institutions de la nation afin que nous puissions aller vers cette paix. Et par cela, il y a eu l'armée reconstituée dans un premier temps qui était là-bas. Donc nous avons vu qu'il y avait aussi quelques signaux
de l'administration à travers le gouverneur, mais le gouverneur était là juste par cas de figure, il n'avait pas assez de pouvoir. Alors, étant dans ces circonstances, il est obligé à un moment donné de coopérer d'une manière et d'une autre avec les maîtres du lieu, qui sont ces groupes armés. Et par cela, il va avoir des conversations souvent privées entre eux. Donc souvent qui ont tendance, ça c'est mon analyse à moi, tendance à aider ou soit à montrer à ces gens-là sa bonne coopération. Oui, j'ai été choisi par l'État malien, mais je suis avec vous. Donc nous avons vu à travers les réseaux, quelques éléments ont fuité de cette conversation. Et pourquoi pas d'autres personnes. Nous avons vu que Kidal n'est pas que le gouverneur, mais de ce quoi, c'est lui le pouvoir déconcentré de l'État. Il est la première autorité de la région. S'il faut qu'il y ait de tels propos, parce que jusqu'à présent, on a appris qu'il a été interpellé au niveau de la justice. Nous ne pouvons pas dire exactement que c'est lui, tant que la justice ne se prononce pas définitivement sur cette question. Mais nous avons des doutes énormes en ce qui concerne ce vocal-là. Donc, pas mal d'observateurs l'attribuent ce vocal. Nous l'entendions dans cette conversation que oui, nous allons tout faire afin que l'État malien ne vienne pas à Kidal pour célébrer l'anniversaire du 22 septembre, le 63e anniversaire, des trucs comme ça. Ça a tout le temps été comme ça dans la gestion de l'État. Sauf qu'avec l'avènement de l'Internet, l'information va à 100 à l'heure. Quand elle est diffusée, aussitôt tout le monde a accès à l'information parce que nous sommes tous presque munis de ce smartphone qui est devenu une sorte de télévision personnelle pour tout un chacun. Donc, dès que c'est publié, c'est balancé dans les groupes WhatsApp, le partage devient rapide. Donc, tout le monde a accès au même moment à l'information. Donc, pour le cas de ce vocal supposé, nous pouvons le dire ainsi, parce que là, on attend jusqu'à présent la position de la justice vis-à-vis de... Est-ce que c'est un vocal authentique? Est-ce que réellement c'est lui? En tout cas, les enquêtes sont en cours. Les informations que nous avons reçues dans certaines colonnes de certains journaux en ligne, tels que Mali Actu ou bien soit à Bamako.com avant de venir, j'étais là-bas, je vis dans ces colonnes de journal que il a été interpellé. Donc quand il est interpellé, ce qui veut dire que c'est la justice qui est en train de l'auditionner. En tout cas, ce sont des faits graves. Si toutefois il arrive que c'est lui réellement qui échangeait avec ces gens-là et dit que je vais pouvoir vous trahir, je suis avec vous et je veux vous prévenir si toutefois telle ou telle action arrive. Donc c'est un acte de haute trahison, nous pouvons le qualifier ainsi. Oui, parce qu'il a été mandaté par les plus hautes autorités pour pouvoir asseoir non seulement la légitimité du pouvoir et représenter aussi le pouvoir malien sur l'ensemble du territoire. Et si le vocal ne date pas d'aujourd'hui? Et si le vocal ne date pas d'aujourd'hui et qu'il y avait de quelconque menace à l'endroit de ce monsieur pour préserver sa vie, la vie de sa famille, est-ce que réellement cette communication avec le groupe terroriste n'était-elle pas fondée? Oui, mais nous pouvons dire ainsi. Nous avons vu avec le cas de El Hadj Gamou en 2012, lorsqu'il a été pris au piège, il a fait une déclaration officielle que lui s'arrange du côté des rebelles. Il n'est pas malien, il reconnaît Azawad. Mais c'était sa stratégie militaire. À l'époque, ça a choqué tout un peuple. Ça a choqué le peuple malien que Gamou était devenu un traître. Il avait plus de 500, je pense bien, si ma mémoire est bonne, 500 éléments avec lui. Donc c'était vraiment difficile. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Partant de là, il a fait une stratégie pour se réfugier au niveau de Niger, pour pouvoir sauver ses troupes. C'est la stratégie et c'est les enquêtes qui vont nous déterminer. Mais pour l'heure, ce que nous avons vu, c'est à travers les enquêtes. Et lorsqu'ils ils vont essayer de faire le jugement, peut-être la défense, ses avocats vont évoquer ce problème. Vu qu'il n'y avait pas la présence
régalienne de l'État à travers ses missions telles que la police, la gendarmerie, voilà les services sociaux de base, l'armée en question, même s'il y avait de l'armée reconstituée, mais cette armée n'avait pas sa plénitude pour pouvoir exercer, voilà donc, voilà le pouvoir dont le Mali souhaitait. Donc, à travers ses avocats, peut-être, ils peuvent préparer sa défense en évoquant cela. Mais pour l'heure, le vocal que nous avons vu, pourquoi lui n'a pas trouvé un moyen pour alerter aussi les autorités par rapport à cela? C'est la question aussi qui se pose. Qui se pose. Mais ce vocal, ça date avant la récupération de Kidal ou après la récupération? Bon, nous voyons que dans la conversation, parce qu'on parle du 22 septembre, donc ce qui veut dire que le vocal existait bel et bien la récupération de Kidal. Le 22 septembre, Kidal a été récupéré quand? C'est tout juste le mardi, Oui, le mardi le passé, 14 novembre. il y a une semaine. Mais dans cette conversation, je ne sais pas si vous l'avez écouté, on avait vu qu'il discutait du 22 septembre, est-ce que ça sera célébré ou pas? Le 22 et 14 novembre, c'est plus d'un mois et quelques. Vous voyez l'écart. Donc le vocal ne date pas de maintenant, mais ça a fuité parce que Kidal a été récupéré. Et puis le service de renseignement, c'est ça aussi le rôle du service de renseignement. Essayer de déjouer les coups et comprendre ce qui se passe réellement. Vous et moi, nous sommes tous à l'écoute si vous voyez que on nous indexe pas parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. À partir du moment où vous parlez des choses qui peuvent menacer la vie d'une nation ou une partie de la nation, là, dans ces cas, les autorités vont essayer de voir la chose et mettre ça à la disposition de la justice. Mais le vocal a été transféré par le groupe terroriste ou ça a été intercepté par la sécurité d'État. Aucune idée, parce que là, il faudrait avoir l'avis aussi des experts en informatique qui essayent de voir la traçabilité, comment ce vocal-là s'est retrouvé sur le réseau. Parce que c'est les informatiques, parce qu'il y a les données informatiques maintenant qui nous permettent de savoir. Mais à l'heure où je vous parle, je n'ai pas ces données, je ne peux pas vous dire exactement est-ce que ça vient du côté rebelle ou du côté de l'État. Maintenant, quel diagnostic pouvons-nous faire par rapport à l'enjeu de la circulation de ce vocal? Est-ce que ça peut mettre en danger les politiques ou les stratégies militaires préalablement définies par nos forces de défense? Bon, il n'y a pas assez de menaces. Si c'était auparavant, ça impactait. Parce que là, dans ces cas, voilà, les groupes armés avaient certainement, vraisemblablement, en tête qu'ils avaient un complice qui était avec eux. Donc, il était très difficile d'avoir certaines informations fiables venant de Kidal. Surtout venant, je dis bien, il faudrait que je me réserve parce que les enquêtes sont en cours, venant certainement du gouverneur de la région. Donc, mais pour l'heure, donc c'est très difficile de pouvoir parler de ça. Donc, puisque les enquêtes sont en cours, on ne fait qu'imaginer ou bien soit penser de la chose. Mais est-ce que réellement le vocal là est-il authentique? C'est les enquêtes qui vont nous déterminer, c'est là l'authenticité ou si c'est authentique Et ou pas. mais à travers vos enquêtes sur le terrain, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenu par rapport à cette Bon, situation? j'ai demandé avant de venir, il y a pas mal de gens qui m'ont fait savoir que bien sûr, c'est la voix du gouverneur à travers le journaliste et ses sources, c'est aussi l'avis des uns et des autres. Mais techniquement, juridiquement, ils ont plus d'instruments pour pouvoir analyser et comprendre. Parce que la technologie aussi est avancée aujourd'hui. Peut-être la voix peut être montée, robotisée, et faire en sorte que, comme si c'est la voix du gouverneur aussi. On peut aussi faire cela. Mais je n'ai aucune idée par rapport à cela. Donc, c'est les enquêtes qui vont déterminer cela. Mais ce qui m'a été dit par la majeure partie de ces personnes dont j'ai eu à faire le recoupement auprès d'eux, ils m'ont fait savoir que c'est la voix du gouverneur. Maintenant, pour clôturer ce chapitre, dans quelle situation, dans quel état se trouvent nos forces de défense à Kidal actuellement? Ben voilà, nos forces de défense et de sécurité, il faut en ajouter, c'est là. Voilà, sont en train d'assurer la sécurité comme partout sur l'ensemble du territoire national, puisque depuis voilà, le 14
novembre, nos FAMA sont rentrés d'abord. Ils ont continué par les opérations de ratissage. Et ensuite, nous avons vu petit à petit le retour de certains services, notamment la police et la gendarmerie, qui vont assurer la sécurité intérieure. Un couvre-feu a été instauré par le gouverneur de la région de 20h à 6h du matin, en commençant du 15 de ce mois jusqu'au 14 décembre prochain, et reconductible. La situation ne s'améliore pas. Donc je pense que la situation de plus en plus circidale, voilà, l'armée est en train de voir, parce que directement on ne peut pas comprendre. 11 ans, ils ne sont pas là, donc certainement il y a certains complices au sein de la population qui sont en train de préparer des coups. Certains coups. Voilà, puisque les rebelles, dans leur communiqué, ils ont dit qu'ils n'ont pas voulu combattre. N'ont pas voulu combattre puisque l'armée malienne possédait des armes de dernière génération telles que les drones Outla qui frappaient leur position. Donc ils se sont repliés pour pouvoir se préparer et revenir. Certainement ils ont l'air informateurs parmi la population jusqu'à présent qui se sont fondus parmi elles. Donc l'armée va rester prudente à travers aussi la gendarmerie, la police et la protection civile qui a été aussi militarisés, qui vont essayer d'enquêter et voir ce qu'il y en a. Voilà, parce que 11 ans d'absence, ce n'est pas chose aisée. Mais quel qu'en soit le niveau de leur renforcement, du moment où ils ont pris la tangente en disant qu'ils ne maîtrisaient pas l'arrivée des équipements assez sophistiqués qui venaient frapper dans tous les sens, est-ce après tant de période de récupération, ces groupes djihadistes seront-ils à mesure de venir reconquérir la zone déjà sous le contrôle de nos FAMA? On ne peut pas s'attendre certainement peut-être à une guerre classique. Vous êtes de l'autre côté, nous sommes là et nous essayons, comme ce qui vient de se passer à Kidal, des affrontements entre les lignes de front. Peut-être nous ne pouvons pas voir cela, mais qu'est-ce qui va certainement se passer? La guérilla urbaine. Par exemple, quelques hommes ou des poignées d'hommes qui mettent par exemple des ceintures explosives ou autre chose, peut-être ils peuvent procéder par ça. Mais nous allons nous appesantir sur la police et la gendarmerie pour faire ce travail de sécurité intérieure. L'armée, c'est juste pour assurer la défense. Je pense que la raison pour laquelle nous avons essayé de militariser la police, la gendarmerie et la protection civile qui vont sécuriser après avoir libéré les lits, ce sont elles qui vont rester sur place et essayer de sécuriser aussi ces lits tout en essayant de veiller, c'est ça. Je pense qu'ils ont réussi des formations depuis 2012. L'armée malienne est professionnelle et aguerrie maintenant pour pouvoir faire face à ce genre de menaces. Nous avons vu le cas d'un hôtel de la place ici qui a été attaqué, je pense bien si j'ai une très bonne mémoire, en 2014. Hôtel à Radisson Blu. Voilà, Radisson Blu. Donc nous avons vu la capacité de l'armée malienne à réagir à ces gens sur la terrasse aussi. Nous avons vu pas mal d'endroits, ils ont neutralisé. Donc, par ces genres d'attaques, je pense que suffisamment avec nos partenaires russes qui sont en train d'ailleurs de nous aider de plus en plus. J'ai même appris une très bonne nouvelle qu'il y a eu une autre coopération, signature de coopération en ce qui concerne l'utilisation du satellite qui va se passer sur nous, qui va nous permettre par exemple de sécuriser nos frontières, avoir la maîtrise aussi de la communication aussi sur l'espace, parce que quand on maîtrise par exemple la surveillance et la communication, ça va avec les images satellites, ça va beaucoup nous aider. Donc le ministre de l'économie et du finance, Al-Hussein Sanou, il est sorti et il était en train de parler de ça. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc je pense que cette sécurisation, ça va se passer. Et quand on parvient, par exemple, à surveiller, par exemple, nos frontières à travers les satellites, c'est fini. Ça va être très difficile d'attaquer le Mali. Bien. Maintenant, parlant de cette situation, de la reconquête de Kidal, apparemment, nous avons vu sur les réseaux sociaux, certains étaient en train de faire des plaintes par rapport à certaines situations que les partis politiques n'ont pas communiqué sur ça. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Après plus de 10 ans d'absence,
sur une localité précise de notre nation et qu'on se retrouve avec une telle rapidité dans la récupération. Et du coup, sachant bien que la perte du contrôle de Kidal a été effectuée sous le mandat d'un parti politique, à un moment où on se retrouvait avec la démocratie dans le sens souhaité par la population et par les hommes politiques, aujourd'hui, nous arrivons à récupérer. N'était-il pas plus plus rationnel de faire des communiqués venant des partis politiques, étant donné qu'on a plus de 200 partis politiques? Justement, mais c'est pas, mais ce n'est guère une surprise. Nous savons qu'avec la récupération de Kidal, la population va demander à ce que les élections s'effacent et que Assimi soit candidat. Et quand Assimi est candidat, il n'y a pas de jeu politique. Directement, la population va plébisciter Assimi. Donc, il y a cet effet de surprise. Ça, c'est mon analyse à moi. Certainement, les partis politiques ont été. Ça s'est pris par effet de surprise. Par rapport à cela, nous avons vu certains communiqués de certains partis politiques, mais comme vous l'avez dit, il y a 200 et quelques partis politiques. Mieux, nous avons vu aussi que dans l'espace UEMOA, dans l'espace CEDEAO et aussi Union africaine et à l'international, il n'y a pas eu assez de félicitations venant de ces organisations. Nous avons vu la félicitation de la Fédération de la Russie, ça ce n'est pas une surprise. Le Burkina Faso aussi a félicité le Mali, ce Le n'est pas une Niger. surprise. Le Niger également, parce que ça, c'est des partenaires privilégiés pour l'heure, pour le Mali. Le Mali est partenaire privilégié. Donc la donne est en train de changer, les partis politiques sont en train de chercher c'est quel pied danser pour pouvoir se maintenir politiquement. Donc c'est très difficile pour eux donc de pouvoir se prononcer parce que nous avons vu les scènes de liesse. Un peu partout, les gens criaient Assimi, les gens criaient Sadio Camara, les gens criaient Colonel Ismaël Ouagé, Colonel-Major Ismaël Ouagé, les gens criaient Malick Diaw, les gens criaient Mouloud Mouloubou. Koné. Et ensuite, Choguel Kokala Maïga, j'en passe, Ablaye Diop, Ablaye Maïga, les gens en train de plébisciter ces gens-là. Donc, depuis fort longtemps, depuis le début de cette crise, cette opinion pointait du doigt cette classe politique qui n'a pas joué pleinement son rôle. C'est ce qui nous a conduit à cette crise. Parce que là, elle n'a pas essayé de prendre l'armée comme le maillon essentiel de notre État. L'armée a été dilapidée, politisée et laissée à son sort. Ça, c'est l'analyse de la population. Et nous avons vu en 2013, nous avons mis la confiance, si c'est ces mêmes hommes politiques, la situation s'est dégradé de plus en plus jusqu'à ce qu'il y a eu un autre coup d'État en 2020. Et oui, à travers cela, les organes de la transition ont été mis en place. Bandaou est venu. Il y a eu un autre coup d'État qu'on appelle, de 15 qualifie même de rectification. De rectification de la transition. Et partant de là, pas mal d'observateurs s'accordent que le vrai changement et le divorce avec la France a commencé dès ces instants. Parce que nous avons vu qu'à l'époque, ces colonels ont pris la situation à bras le corps, en complicité avec la branche M5 qui est restée, avec à sa tête Choguel Kokala Maguette. Nous avons vu qu'il y avait des clashs qui se passaient entre Paris et Bamako. Et ensuite, Paris dit qu'elle va quitter Bamako. Voilà, vu que, par exemple, la junte militaire, comme elle l'aime, la pointe. Donc, Bamako aussi pointe aussi. Voilà, Paris des jeunes. Donc, nous avons vu des clashs ici et là jusqu'à ce que le départ de Barkhane, Takuba, le Mali a quitté le G5 Sahel parce que c'était une présidence tournante. On a refusé de donner cette présidence tournante au Mali. Et donc, ensuite, nous sommes retirés ça. Et la communauté internationale a été piégée par le vote de la résolution 2590. Comment? Parce que à l'issue de ce vote, il a été dit que les emprises, les 13 emprises de l'aménagement doivent être rétrocédées à l'armée, à l'État malien. Ce qui a commencé à travers Ouassago. Il n'y a pas eu de combat aussi. Ensuite, l'armée poursuivait sa progression vers le nord.
Et vers le centre, nous avons vu quelques combats avant de se rendre à Beur. Et aux abords de Beur, le combat était intense. C'était les Burkinabés qui étaient là-bas. Donc nous avons vu que le Burkina est sorti et a donné le camp au Mali. Mais ça s'est passé sous les faits du bal. Il y a eu les combats là-bas. Et l'armée a pris Beur. C'était un endroit stratégique. Et juste après Beur, nous avons vu aussi qu'il y a eu des combats au niveau des Bouren. C'était très très difficile. Et ensuite, l'armée, je pense bien à Guélop. L'autre là. Anéfis. Menaka et ensuite Anéfis. Nous avons vu qu'il y a eu des combats ici. Et ensuite aussi, il y a eu pas mal. Il restait maintenant quel endroit à prendre. Aguelok, Tessalit et Kidal. Et nous avons vu que l'aménagement a essayé de demander à l'État malais si toutefois l'État peut prolonger le délai de la rétrocession. Mais nos autorités ont dit niet. Donc les tiraillements ont commencé dès ce moment. Nous avons récupéré Tessalit, Aguelok et Kidal à notre grande surprise. Parce qu'on dit qu'on doit remettre ça à l'armée malienne. À notre grande surprise, l'aménagement a quitté sans pourtant nous remettre ça. Mais nous avons combattu. Dieu, en faisant les choses, nous avons eu le dessus sur les groupes rebelles et Kidal a été récupéré. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politique de notre société. Nous vous rappelons que cette émission se passe tous les dimanches et les vendredis à partir de 21h. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le deuxième thème qui porte sur le vocal qui a fuité du côté de Clément Sano, Clément Dembélé. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'échos, les gens en parlent, on dit qu'il a été interpellé. Est-ce réellement il a été interpellé? Justement, il a été interpellé parce que le vendredi 17 novembre, ça trouvait que nous étions ensemble, vous et moi, dans un atelier de formation. Oui. Et là-bas, on devrait faire la couverture de sa conférence de presse. Parce que la nuit du jeudi au vendredi, je pense bien, j'ai eu l'information que le gouverneur de la ville de Bamako a demandé à Clément et ses compagnons de se rasseoir à leur marche, puisque les conditions ne sont pas favorables pour pouvoir sécuriser leur meeting. Je pense que c'est ce qui a été fait. Et dans la foulée, nous avons vu qu'ils ont décidé de faire une conférence de presse. Au lendemain, le même vendredi à 15h. Donc, étant là-bas, moi, je leur fais savoir que je suis à un atelier de formation. Donc, il me serait très difficile de me rendre cette conférence de presse. Mais néanmoins, je pense que nous devrons descendre à 16h. Et à partir de là-bas, donc, nous allons peut-être nous rendre. Donc, à 14h, 15h moins, je l'ai eu au téléphone. Donc, à partir de 16h passées, je me suis rendu là-bas avec certains journalistes pour pouvoir faire la couverture. Donc, à mon arrivée, je demande, on me dit que Clément est convoqué au niveau de la BIJ. Donc, il est là-bas actuellement en compagnie de la coordinatrice de l'Air Front. Je pense bien Madame Aïda. Ils étaient là-bas. Donc, Madame Aïda. Je pense bien. Donc, on est resté là-bas. Ça trouvait que moi, je devrais me rendre aussi dans un autre événement pour faire la couverture. Ben, ça tardait. On partait vers les 17h. J'ai dit aux organisateurs, si c'est là, ne s'y tient pas, il faudra nous libérer parce que nous avons d'autres préoccupations à faire. Bon, ils nous ont fait savoir que d'attendre un peu, la situation est en train de se régler. Bon, ils ont eu Clément au téléphone avec la coordinatrice. D'un moment à l'autre, ils seront là. On est resté comme ça. Il y avait pas mal de journalistes sur place ces jours-là. Nous sommes restés donc vers les 17h, je pense bien. Il y a un de ses collaborateurs avec certains membres qui sont venus au présidium pour faire l'annonce que Clément est actuellement au niveau de la bige, donc ils vont reporter. Ils vont reporter la conférence de presse puisqu'on l'accuse dans une vidéo qui il menace
le président, on l'acquise dans une vidéo. Ça trouvait que moi, je n'avais pas vu le vocal. Mais, voilà, un de leurs responsables était en train de dire du nom de Moussa Ousmane Touré. Voilà, donc c'est lui qui a été en train de lui dire. La vidéo, elle est disponible. Hein. Donc, que Clément a été convoqué parce que il est accusé dans une vidéo. Il est accusé dans une vidéo qui est en train de menacer le président de la transition, menace de mort au président de la transition ainsi qu'à sa famille. Donc qu'il est au niveau, donc ils vont essayer de voir et ils vont défendre Clément. C'est ce qu'il a dit. Donc ils ont fait cette déclaration en français et en bambara et nous avons plié bagage. On est parti à notre reportage. Juste en terminant ce reportage, juste on a vu la vidéo qui est balancée avec l'élément sonore. Je sais pas, vraisemblablement la voix quand même, les gens commentent. Mais toi qui es très proche de lui, quelle sensation avez-vous par rapport à ce vocal? Quelle perception faites-vous par rapport à cet enregistrement? Vous dites que je suis proche. Oui, ben, à travers le travail, on s'est fait jusqu'à ce que l'amitié s'est installée. Alors, sur cette vidéo aussi, on me dit que je ne suis pas un spécialiste, mais la voix ressemble beaucoup à la voix de Clément. Ça ressemble. Ça ressemble énormément à sa voix. Mais je n'ai pas les moyens nécessaires pour pouvoir authentifier la voix. Dire que c'est lui réellement. Mais en écoutant la voix, très honnêtement, on peut l'attribuer. Mais est-ce qu'il serait capable d'avoir une telle sensation vis-à-vis d'un président de la transition? Très difficile. L'homme change au fil des événements. Il est très difficile de pouvoir dire qu'il sera capable ou non. L'homme change en fonction des situations. Donc, très difficile de pouvoir qualifier ceci. Toutefois, il est capable ou pas. Mais en tout cas, le vocal qui est disponible sur les réseaux peut sérieusement l'incriminer. Vous êtes sûr? Il y a une possibilité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une nuance. Ce n'est pas une certitude, mais une possibilité. Mais voilà. Le point de presse qu'il avait eu à faire le jeudi, il disait qu'il soutenait la transition. Il a même félicité nos forces de défense et de sécurité. Et d'un côté aussi, il était pour l'amélioration de la carte biométrique. Bon, est-ce que du jour au lendemain, l'homme peut changer comme ça? Ben, ce sont des avancées politiques. C'est qu'on nous ce que les politiques préparent et ce qu'ils en disent dans les coulisses. Donc là, je ne peux rien dire par rapport à cette déclaration qu'il avait ces jours-là. J'étais présent aussi. Il a fait cette déclaration. Il dit, ben voilà, j'ai tout le temps soutenu l'armée à travers mes sorties avec mon mouvement PCC, plateforme contre la corruption et le chômage au Mali, en dénonçant les malversations, les détournements de fonds de l'armée, j'ai tout le temps depuis le temps d'Ibeka jusqu'à maintenant. Donc nous allons faire la sortie avec trois objectifs. Primo, en soutenant d'abord, en remerciant et soutenant nos forces de défense et de sécurité. Secondo, nous allons parler de la carte biométrique en y laissant complètement puisque le fichier n'est pas assaini. Et troisièmement, le problème de l'électricité, qui vont parler de ça. Donc c'était ces trois objectifs qui se sont fixés. Voilà. Mais est-ce que réellement, avec tout ça, parce que d'autres disaient que ça c'était une manière pour accéder au peuple, à la population, et après ça allait prendre d'autres tournures, est-ce que réellement vous partagez les mêmes idées que ceux qui pensent que ce n'était pas véritablement un soutien à la transition et aussi pour la prolongation également de la transition à travers l'amélioration du service de la carte biométrique? Alors, quand on voit ces déclarations, et vraisemblablement, parce que ce vocal-là, ça ressemble énormément à sa voix, mais je répète et j'insiste là-dessus, je n'ai pas les moyens nécessaires pour justifier l'authenticité de la voix. Mais alors, si la voix s'avère réelle, il y a un dysfonctionnement de ce qu'il est en train de déclarer comme objectif politique ou vision sociale,
Parce que si c'est les actions de la société civile, nous pouvons dire que vision sociale, ça va être très difficile qu'il y ait une cohérence entre ce qu'il est en train de dire et ce qu'il en pense intérieurement. C'est paradoxal. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais est-ce que, voilà, quand on est interpellé, on doit dépasser les 48 heures, 24 heures bon, dans la main des autorités? Il a été interpellé le vendredi soir, samedi, dans l'après-midi, le samedi c'est chômé. Dimanche soir, ça fait 48 heures. Et j'ai oublié un élément, et ce dernier m'a dit que le procureur a demandé à la biche de l'auditionner avec choix transmis. Donc, quand on parle de choix transmis, ça, c'est le mandat de dépôt. Mandat de dépôt. Eh bien, choix transmis, ça veut dire quoi? Non. Choix transmis, c'est de l'amener chez le procureur. Ah, en tout cas, c'est ce que, dans ma petite connaissance. Voilà, je ne suis pas un juriste, mais ce que j'entends le plus souvent, on dit, bah, quand le procureur... Parce que souvent, la police peut t'arrêter et te libérer sans passer par le tribunal. Oui, mais c'est... La police ne peut pas te... Non, c'est le procureur qui a ordonné à la biche de l'amener. Là, on parle de soi transmis. Oui, avec soi transmis. Mais un mandat de dépôt, ça signifie qu'il doit être envoyé à... Bon, dans ma petite connaissance, voilà, c'est que je comprends. Certainement, je peux fauter sur ce niveau, mais ce que j'entends le plus souvent, quand on dit avec soi transmis, c'est qu'il veut dire que... Le procureur est impliqué. Voilà, donc qu'il est impliqué et puis que c'est un mandat de dépôt. C'est ce que j'entends. Parce que s'il y a soi transmis, je pense que les policiers, les arrondissements ne peuvent pas, ou les autorités qui ont le mandat, n'ont pas la possibilité de libérer sans pour autant que le procureur donne son aval. Oui, mais jusqu'à présent, il est au niveau de la bige, il est aux dernières informations. C'est ce qui à travers la Constitution, on dit qu'on ne doit pas dépasser les 48 heures. Ah ben, vous voyez la situation exceptionnelle aussi, monsieur Saint-Para. Le week-end, le samedi est chômé, jour férié, dimanche aussi. Ils ont une autre vie aussi, j'ai une vie. Donc le lundi, le boulot va commencer. Je pense que à partir de 8 heures, ils vont reprendre service et le juge va essayer de prendre le dossier et voir ce qui va faire. Est-ce qu'il pourrait s'en sortir? Bon, il y a des doutes. Il y a des doutes. Il y a des doutes, énormément. Toi, tu penses que c'est fini déjà pour lui? Non, toujours est-il que nous allons émettre le bénéfice du doute. Je vous ai dit l'authenticité, parce que la technologie, je ne peux pas confirmer ici et maintenant qu'il est réellement. Mais j'ai dit en écoutant la voix réellement, je pourrais dire que c'est la voix de Clément. Mmh. Mais toujours est-il que on se réserve de dire réellement que c'est lui. Puisque je n'ai pas les matériels nécessaires, je ne suis pas un technicien ou un expert en matière pour essayer de décortiquer sa voix et étudier et réellement montrer que c'est sa voix. Est-ce que c'est une voix robotisée? Est-ce que c'est la voix de Clément? Je n'en ai pas, c'est moins. Mais est-ce qu'il y avait de sincérité dans ce qu'il disait par rapport aux, voilà, aux arguments avancés dans pour ce sa qu'il sortie disait. Oui. Par rapport à quelle sincérité? Non, pas par rapport au vocal. Mais les menaces sont... Non, je ne parle pas... Du vocal? Non, je ne parle pas du vocal. C'est sorti qu'il a... ce qu'il avait prévu de faire comme sortie le 17 novembre. Est-ce que, il y avait une sincérité dedans? Je vous ai dit, je vous répète, que si on s'en tient à ce vocal et voir ce qu'il a fait comme déclaration, les gens vont se dire que mais ça c'est jeter la pierre au soleil. Je soutiens les autorités de la transition. Et le premier maillon, voilà, de cette transition qui est le colonel Assimi Goïta. Et dans ce vocal, nous voyons que la vie, il y a une menace à la vie du président de la transition, ainsi qu'à sa famille. Mieux, sa famille. Oui. Donc là, dans ces cas, quand on voit cette déclaration et voir aussi l'analyse de ce vocal, c'est vraiment paradoxal. Mm-hmm. Ça colle pas. D'accord. Merci d'avoir donné cet éclaircissement. Je pense que nos auditeurs, auditrices ont beaucoup
appris par rapport à cette réalité, compte tenu de vos recherches et de vos analyses pertinentes par rapport à cette situation. Et nous nous acheminons, je pense, vers la fin de l'émission. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible, de commentaires et de likes. Et nous vous rappelons aussi que cette émission est une émission inédite pour vous. Ça se passe tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h. Sortez nombreux. Connectez-vous tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h pour ne rien rater sur cette émission inédite 100% en français. Une émission sans filtre et surtout sans réserve. C'est pour cela que les questions étaient de taille, pour voir réellement ce que vous détenez comme dans votre information. portefeuille d'informations pour Ok. que la lanterne de nos auditeurs soit éclairée à jamais. Ok. Alors, quels sont vos mots de fin de ce soir? Alors, le mot de fin de ce soir, c'est rendre un vibrant hommage aux activistes, aux blogueurs, aux vidéomans, aux journalistes. Nous sommes dans un monde de guerre communicationnelle. Et en ce qui concerne cette crise malienne, notamment la reprise de la ville de Kidal, nous avons vu que nos médias locaux et aussi voilà, les réseaux sociaux ont beaucoup apporté voilà, dans ce combat. Et avant, c'était la communication à sens unique. Tout ce que voilà, les médias voilà, occidentaux disaient étaient comme argent comptant. Mais aujourd'hui, il y a d'autres voies, il y a d'autres canaux de communication et d'information qui parviennent à édifier voilà, nos citoyens. Donc, qui touchent directement nos citoyens dans nos langues locales, ce qui est vraiment beau. Voilà, moi je pourrais dire que notre génération, c'est une génération dorée, une génération décomplexée et une génération qui maîtrise cette géopolitique et géostratégie et qui déjoue de plus en plus les stratégies malsaines venant de l'extérieur. Merci, merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Moussa Kounaté. À moi de Nous vous vous remercier. rappelons que c'est un acteur dans le domaine de la communication et du journalisme. Il est authentique. Il a une qualité hors norme, hors pair. Et je vous avoue, en laissant des commentaires et des likes, nous allons toujours l'inviter pour qu'il vienne accompagner avec nous pour vous étaler certaines informations qu'il dispose dans son portefeuille d'informations. Nous vous demandons de faire le maximum de partages, de commentaires et de likes. Nous vous rappelons aussi que cette émission si spéciale par sa taille et par sa forme se passe tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h sur toutes les plateformes de l'ouverture média, que ce soit la page Facebook, la chaîne YouTube ainsi que leur compte TikTok. Sans plus tarder, nous vous remercions par rapport à votre aimable attention. On se donne rendez-vous à un prochain numéro. À plus.